إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا زال الحديث معكم اليوم إن شاء الله عن سلسلة الحقوق في الإسلام وقد ذكرنا فيما سبق حق الله عز وجل ثم ذكرنا حق القرآن الكريم ثم ذكرنا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعدنا اليوم معكم يكون في حق السنة. Donc on va continuer par la grâce d'Allah aujourd'hui avec la série des حقوق en islam, des droits en islam. On a déjà vu ensemble حق الله, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même حق القرآن, le حق du Coran, le droit du Coran, et حق الرسول, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, le cours va porter sur حق السنة, le حق de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال علماء السلف رحمهم الله السنة هي العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بسلف الصالح واتباع الأثر. وقال أهل اللغة السنة هي السيرة والطريقة فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثار في الفعل والقول ولأن السنة لا تكون مع مخالفة رسول الله ومخالفة الله عز وجل وقال ابن رجب والسنة هي الطريق والمسلوك هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة Donc les savants, parmi nos pieux prédécesseurs, disaient, définissaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la pratique, la mise en pratique du Coran et la mise en pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En prenant exemple et modèle sur les pieux prédécesseurs et ceux qui suivent les afar, ceux qui suivent les afar. Et les gens de la langue disent que sunna, c'est at-tariqatu, ou as-sira, c'est la voie, le chemin. Et lorsque ils disent un tel est sur la sunna, ou bien un tel fait partie des gens de la sunna, ça veut dire qu'il est en accord avec ce qui nous est parvenu comme tradition, aussi bien dans les paroles que dans les actes. Parce que on ne peut pas suivre la sunna du prophète sallam et être en désaccord, être en divergence avec le livre d'Allah et avec la sunna du prophète sallam. Et l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, dit la sunna, que ce qu'on entend par sunna, c'est la voie empruntée. Et elle englobe cette voie
le fait de s'attacher à ce que était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que et sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit dans l'i'tiqadat, dans la croyance, que ça soit dans l'aqwal, dans les actes, les actions, ou dans l'aqwal, dans les paroles. Et ça, c'est la sunna dans son sens le plus large, le plus complet. C'est pourquoi les salafs disaient, rahimahumullah, ils ne citaient la sunna, ils ne mentionnaient la sunna que pour tout, que pour ce que la chose qui englobait tout ça, la croyance, les pratiques, les actes sur lesquels était le prophète et ses compagnons, radiallahu anhu. واجتمعت الأمة سلفا وخلفا على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع وأنه لا غنى أبدا للمسلمين عن السنة ودعوى الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوة باطلة وخبيثة وراءها أعداء الإسلام أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول هذا بيننا يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Et la communauté, il y a un consensus sur la communauté, sur les gens qui sont venus avant et les gens qui les ont suivis, sur le fait que la sunna, c'est al-masdar thani lit-tashri', c'est la deuxième source de législation dans l'islam, après le Coran al-Karim. Et il est impossible aux musulmans de se contenter du Coran seulement, ou autrement dit, de se passer yani, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et prétendre se contenter du Coran sans passer par la sunna, c'est une prétention yani, derrière laquelle c'est une prétention fausse, c'est une prétention dangereuse et répugnante. Derrière laquelle il y a les ennemis d'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith, il dit « Bientôt, l'homme va venir et il sera accoudé sur le fauteuil et il va citer un hadith de mes hadiths. Et on lui dira, et cette personne dira à celui qui ramène le hadith, il lui dira « Entre nous et vous, il y a le livre d'Allah. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a trouvé dans le livre d'Allah comme halal, il n'y a que ça qu'on considère comme halal. Et ce qu'il y a dans le Coran comme haram, il n'y a que ça qu'on considère comme haram. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que cette parole, elle est caduque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala innama harrama rasulullah mithluma harrama Allah. » N'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas, ce qu'Allah azza wa jal a, ce que le prophète a interdit, c'est exactement comme ce qu'Allah il a interdit. Donc dans Masdar al-Tashri', dans le Masdar al-Tashri', bien sûr, vient le Coran en premier. Vient ensuite la Sunna, mais en termes de pratique, ils sont au même niveau. C'est tous les deux des Masdar al-Tashri', des sources de législation. وَقَدْ ظَهَرَ هَذَا الرَّجُلُ مِصْدَاقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مِنَ الْهِنْدِ مِنْ نَحْوِ مِيَّةِ سَنَةٍ وَقَالَ بِالْأَخْذِ بِالْقُرْآنِ دُونَ السُّنَّةِ وحكم عليه علماء عصره بالإلحاد والزندقة والخروج من الدين والأمر كما قالوا. Et effectivement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, il y a un homme, il y a 200 ans de ça, il est apparu cet homme et il prétendait de prendre que du Coran en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de son époque,
j'ai bien dit les savants, ils l'ont considéré comme sa parole comme une hérésie, et ils l'ont jugé cet homme, yani, comme un athée, comme une personne qui est sortie de l'islam à cause de son blasphème. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدعوة الخبيثة تطل على الناس بقرونها بين الحين والحين ويسمون أنفسهم بالقرآنيين يزعم هؤلاء العمل بالقرآن دون السنة لأن القرآن كما زعموا محفوظ وأما السنة فقد دخل فيها ما ليس فيها ولو عقل هؤلاء ما قالوا لو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن يوجب العمل بالسنة فلو كانوا صادقين في دعواهم العلم بالقرآن أو العمل بالقرآن لعلموا أن العمل القرآن قد ألزم بالعمل بالسنة بحيث لا يكون الرجل أبدا عاملا بالقرآن حتى يكون عاملا بالسنة. Et depuis cette époque, de temps en temps, apparaît cette prétention répugnante, hein, cette tendance. Et ces gens-là, eux-mêmes s'appellent Al-Qur'aniyoun. Ils sont même, dans les pays musulmans, ils sont apparus comme en Égypte. Et ces gens-là, ils prétendent de prendre que du Qur'an en délaissant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ils prétendent que le Coran, il est mahfoud. Le Coran, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons descendu le rappel et nous en sommes les protecteurs. Donc ils disent, le Coran, il est préservé. Mais ils disent, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'y est introduit, s'y est inséré des choses qui sont étrangères. Et si ces gens-là réfléchissaient, et si ces gens-là avaient un peu d'intelligence, ils auraient compris que la mise en pratique du Coran implique la mise en pratique de la Sunna. Et que le Coran lui-même, il oblige le musulman à mettre en pratique la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la personne ne pourra jamais mettre en pratique le Coran s'il ne met pas en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir et on va le détailler après, inshallah. Wa qabla 10 ayyam, yaqul al-shaykh, sallaytu fi masjidin ma, fa wada'tu sutratan amami. Kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala, idha salla ahadukum falyusalli ila sutrah أو إلى سترة واليدن منها لا يقع الشيطان على عليه صلاته فجاء رجل لا أظنه من هؤلاء يعني من جماعة القرآنيين ولكنه متأثر جدا بفكرهم وبقولهم فقال ما هذه التي صليت إليها أليست هي الصنم سمى السترة صنما فقلت له لا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بآية من القرآن أنا لا آخذ إلا من القرآن أو بالقرآن فعرفت أنه متلوث عقله يعني بفكر هؤلاء القرآنيين وقال لا تأتين بحديث لأن الحديث فيه الصحيح وفيه المكذوب والباطل فأنا لا أخذ بالأحاديث فقلت له صليت معنا أو صليت معنا الآن أي صلاة فقال له الشيخ أي صلاة صليت معنا فقال المغرب فقلت له كم صليتها يعني كم ركعات صليتها فقال 3 ركعات قلت له ائتني بآية بكتاب الله عز وجل تبين أن المغرب 3 ركعات فوقف ولم يتكلم ولم يجيب فكيف يجيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 3 ركعات
فقلت له بلغته وبأسلوبه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعينك يصلي المغرب ثلاث ركعات؟ قال لا. فقال وكيف تصلي ثلاث؟ قال ولما ترى النبي ولم ترى النبي صلى الله ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي آية في كتاب الله تبين ذلك. فقال جاءنا ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر واعترف. فقلت له وكذلك السنن جاءتنا محفوظة عن الصحابة عن رسول الله فلا بد أن تأخذ بالسنة مع القرآن فلم يستطيع أن يجيب هذا الرجل يعني بكلمة واحدة. Donc le cheikh, il nous raconte qu'une fois, il dit, j'étais dans une mosquée et avant de faire la prière, j'ai mis une sutra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne dans la sunna. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous fait la prière, qu'il mette une sutra et qu'il s'approche de cette sutra. Et à partir de là, le shaitan ne pourra rien faire contre cette prière. Et un homme, Cheikh dit, un homme est venu. Mais Cheikh dit, je ne pense pas qu'il fait vraiment partie des Qur'aniyoun. Seulement, il a été affecté par leur fikr. Alors l'homme lui a dit, c'est quoi cette chose vers laquelle tu as fait la prière? Est-ce que c'est une statue? Zama, il voulait lui faire l'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Alors le Cheikh, il lui a dit, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, rapporte-moi un verset du Coran. Parce que moi, je ne prends que du Coran. Et là, le cheikh, il a dit, j'ai compris qu'il était troublé et affecté par la parole des Coraniyoun. Et parfois, il y a des musulmans, ils ne savent pas que le Coraniyoun existe. Ils ne savent même pas. Mais de par leur ignorance, et de par le fait qu'ils n'apprennent pas leur science auprès des savants, tu peux trouver dans son discours des paroles qui sont proches de Qur'aniyoun. Toi, tu crois qu'il a pris de eux, mais en réalité, c'est par son ignorance qu'il parle comme ça. Alors le cheikh, cet homme lui a dit, tu me ramènes un verset. Tu ne me ramènes pas de hadith. Parce que le hadith, il y en a qui sont da'if, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont sahih, et il y en a qui sont mawdou' et batil, qui sont forgés et inventés. Donc je ne peux pas prendre du hadith. Moi je prends que du Coran. Alors le cheikh il lui a dit, il est rentré dans son jeu. Il lui a dit, quelle prière tu as fait avec toi? Il lui a dit, le maghrib. Il lui a dit, combien de rak'at tu as fait dans le maghrib? L'homme lui a dit, 3 rak'at. Il lui a dit, ramène-moi toi aussi un verset du Coran dans lequel c'est écrit que le maghrib c'est 3 rak'at. Alors l'homme il était bloqué. Parce qu'il n'y a pas dans le Coran Karim, Allah ne détaille pas le nombre de rak'at pour n'importe quelle prière. Alors là, l'homme lui a dit, le prophète faisait la prière comme ça. Alors le cheikh lui a dit, dans le même langage que cet homme, il lui a dit, est-ce que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire 3 rak'at? Est-ce que tu as vécu à son époque et tu l'as vu faire 3 rak'at pour me dire qu'il faisait 3 rak'at? L'homme il lui a dit non. Il lui a dit, mais comment tu peux prétendre ça? Il lui a dit, c'est les sahaba radhiyallahu anhum qui nous ont apporté cette information. Alors le cheikh lui a dit, de la même manière, les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été préservées du fait que les sahaba nous les ont apportées directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme n'avait plus rien à dire. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وشهد له بالرسالة وأنه رسول الله حقا قال تعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وأخبر الله عز وجل في كتابه أن الذي أنزله على رسوله هو القرآن والسنة
هو القرآن والسنة. فقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة بدليل قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par ses miséricordes, a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme avertisseur, comme annonciateur, comme quelqu'un appelant vers Allah azza wa jal, comme une lampe éclairante. Et Allah témoigne dans le Coran que le prophète a transmis la révélation d'Allah azza wa jal. Allah dit dans le Coran, et Allah suffit comme témoin Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le prophète d'Allah. Et Allah dans une autre sourate, dans un autre verset, il dit « Et ceux qui ne croient pas disent « وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا » Tu n'es pas un messager. Et Allah dit « قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ » Allah dit « Allah suffit ». Allah dit « Allah suffit comme témoin entre nous et vous et ceux qui ont la connaissance du livre ». Sont aussi témoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, dans plusieurs versets, qu'Allah a révélé sur son prophète le Coran, mais qu'il a révélé aussi la Sunna. Allah azza wa jal dit dans le Coran وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah a révélé sur toi le livre et la sagesse. Et la sagesse ici c'est la sunna. Parce que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des femmes du prophète, dit « وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ » Et gardez dans vos mémoires ce que dans vos foyers est récité. De quoi ? Qu'est-ce qui est récité ?« مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ » Il est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Il s'agit de la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses femmes, donc de la sunna. وكل حكمة قرنت بالقرآن الكريم في القرآن الكريم فالمراد بها السنة وبين سبحانه وتعالى أنه حافظ ما أنزله على رسوله فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. Et toute sagesse, lorsque vous allez entendre dans le Coran, les savants, c'est une règle que les savants, une parole que les savants donnent. Lorsque vous allez entendre le mot hikma, sagesse, dans le Coran et qu'il est rattaché, qu'il est associé avec le Coran, comme lorsqu'Allah dit dans le Coran, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, lorsque tu entends ce genre de verset, sache que ici la hikma a le sens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Nous avons révélé sur toi le rappel et nous en sommes les protecteurs. وَهَذَا اللَّفْظُ يَشْمُلُ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنَ وَمِنْ حِفْظِ السُنَّةِ فَلَا يَكُونُ الْقُرْآنُ مَحْفُوظًا إِلَّا إِذَا طَاعَتِ السُنَّةِ لِأَنَّ السُنَّةَ هِيَ الْمُبَيِّنَةُ لِلْقُرْآنِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهَا إِكْمَالًا لِحِفْظِ الْقُرْآنِ ولذلك قيض الله عز وجل للحديث من يحفظه ويميز بين الثابت منه عن رسول الله وبين المشكوك في ثبوته وبين المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. C'est pourquoi le mot, lorsqu'Allah dit nous avons révélé sur toi le rappel et nous en sommes les protecteurs, le rappel ici englobe à la fois le Coran et l'englobe à la fois la Sunna. Et lorsqu'Allah dit qu'il va préserver le Coran, ça veut aussi dire qu'il va préserver la Sunna. Parce que le Coran ne peut pas être préservé si la Sunna ne l'est pas. Et parce que, comme les savants le disent, la Sunna vient expliquer le Coran al-Karim. Et donc, pour que la protection du Coran soit complète,
il faut qu'il y ait la protection de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, par sa grâce, il a destiné pour la protection de la sunna des hommes qui sont les ahlul hadith, les muhadithoun, les gens du hadith, qui vont séparer, qui vont épurer dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Ce qui est thabit, ce qui est affirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il y a un doute ou de ce qui a été forgé et menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna est préservée par la protection d'Allah azza wa jal. Wa anzala Allah azza wa jal al-Qur'an ala rasulihi tibyanan li kulli shay. ووكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل ربهم إليهم كما قال تعالى وأنزلنا الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالقرآن الكريم لا يستغنى به عن السنة أبدا. Et الله سبحانه وتعالى a révélé sur son prophète le Coran. Yani tibyan, c'est un exposé explicite de toute chose. Et Allah, il a confié la mission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer et d'exposer aux gens ce qu'il y a dans le Coran. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qui a été révélé pour eux. C'est pourquoi on ne peut pas se passer de la sunna pour comprendre le Coran. Et on ne peut pas se limiter seulement au Coran et délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les arguments futiles et non avenants que ces derniers prétendent. Et écoutez, on va citer cinq choses qui montrent l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, celui qui peut noter, il note. La sunna vient dans le Coran pour plusieurs choses. Nous, on va en citer cinq. Imma an takuna, yani as-sunnatu muqarriratan wa muakkidatan lima jaa fi al-Qur'an min al-ahkam. C'est soit le Coran al-Karim, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue muakkidatan wa muqarriratan. Elle est venue pour appuyer et confirmer les règles et la législation qui existent dans le Coran al-Karim. Ça, c'est un des rôles de la sunna. Elle vient appuyer et confirmer ce qui existe dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne d'être assidus à la prière, d'être assidus, de faire le hajj, de faire le siyam, le jeûne, de donner la zakat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la désobéissance des parents, ou bien de couper les liens avec la famille, ou bien d'être mauvais avec son voisin. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, lui aussi, il vient expliquer la sunna. Le prophète il dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites et prenez de moi de vos rites. Al-Muhim, tu trouveras dans le Coran des choses qu'Allah Azza wa Jal ordonne ou des choses qu'Allah interdit. Et bien dans la sunna, cet ordre ou cette interdiction, elle est appuyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc première chose, le Coran vient appuyer et confirmer ce qu'il y a dans le Coran. La sunna vient affirmer ce qu'il y a dans le Coran. Deuxième rôle de la sunna. Imma an takuna as-sunnatu mubayyinatan li ahkamin ja'at fi al-Qur'an mujmalatan. C'est le Coran, la sunna vient clarifier. Tubayyin, elle vient clarifier des points qui ont été résumés dans le Coran al-Karim. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa rak'u ma'a rak'in. Faites la prière, donnez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.
Allah dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un devoir envers Allah pour les hommes d'accomplir le hajj pour celui qui en a les moyens. Donc ça, c'est venu de manière détaillée, de manière afouane, de manière générale, de manière résumée, de manière concise. Yani mujmalatan. C'est les grands titres. Et la sunna du prophète sallam, elle est venue de clarifier et détailler tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a appris combien il y a de rak'at, combien il y a de prières, et que ce qu'on doit dire, et que ce qu'on doit faire, que ce soit pour la prière. Il dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Pour le hajj, qui nous a expliqué les rites du hajj? Parce qu'il dit khudu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Et nisabu zakat, la valeur de la zakat, qui l'a définie? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été expliqué dans le Coran al-Karim. Donc c'est la deuxième chose, un des deuxièmes rôles de la sunna. Un des troisièmes rôles de la sunna, wa imma an takuna ahkam al-Qur'an mubhamatan wa tufassiruha as-sunna. Parfois les versets du Coran ou le Coran, il est vague. Il est pas ambigu, mais il est vague. Et le Coran, la sunna du prophète sallam, elle vient expliquer cette chose qui nous paraît vague. Un exemple pour comprendre. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit وَالسَّارِقُ 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 وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Allah dit dans le Coran, le voleur et la voleuse, coupez-leur leurs mains. C'est quoi la main? En arabe, la main, ça peut être الرسخ, ça peut être la poignée, comme ça peut être المرفق, jusqu'au coude. La main, en arabe, ça peut être اليد, jusqu'à المنكب, ou المنكب. D'accord? Tout ça, c'est المنكب, ça peut être jusqu'à l'épaule. Qui est-ce qui vient définir à quel endroit tu coupes? Yani, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même la sunna, elle vient détailler à partir de quand une personne est considérée comme un voleur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, firubu' dinar, dans un quart de un dinar. C'est à partir de ce moment-là que tu peux couper la main du voleur. Et c'est quoi la main? C'est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-kaf. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupait, ou les sahaba radhiyallahu anhum coupaient la main du voleur, ils coupaient le kaf, c'est-à-dire la main jusqu'à la poignée. D'accord? Donc, ici, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient, yani, tufassir amran mubham. Elle vient expliquer quelque chose qui est, dans le Coran, qui est vague, dont on ne sait pas vraiment définir. D'accord? Quatrième rôle de la sunna. أن تكون أحكام القرآن مطلقة فتقيدها السنة. C'est que les règles du Coran sont mutlaqa. Quand tu lis le verset, il est mutlaq. Ce qu'on appelle mutlaq, c'est-à-dire il est absolu. Il est valable dans tous les cas. D'accord? Et la sunna, elle vient le conditionner. Elle vient que ce hukm, en vérité, il est relatif à quelque chose. Ou il est limité, ou il est conditionné à quelque chose. Par exemple, Allah Azza wa Jal, dans le verset del Mawarith, de l'héritage, il dit entre autres min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Allah dit dans le Coran, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. Nous, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est le wasiyah. Donc le Coran, il explique dans le Coran, Allah Azza wa Jal, qu'il y a le wasiyah en islam, qu'il y a le testament. Mais qui vient définir le montant, yani, du testament? Est-ce que tu peux déléguer ce que tu veux dans ton testament? Non. Ça, c'est la sunna qui vient le définir. Comme dans l'histoire où l'homme, il avait qu'une fille et il voulait laisser en héritage, il voulait laisser dans son testament tous, yani, ses biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ath-thuluth. Si tu veux vraiment le faire, donne le tiers. Et il a dit ath-thuluth wa ath-thuluth kathir. Donne le tiers, et le tiers c'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit an tatruka, yani de laisser de ta, des gens de ta famille riches,
c'est mieux que de les laisser pauvres et qu'ils vont tendre la main aux gens. D'accord ? Donc ici, la sunna, elle vient quoi ? Elle vient conditionner le wasiyya qui nous est venu dans le Coran. Le testament, il est venu de manière absolue. Mais la sunna, elle vient recadrer tout ça. Elle vient limiter tout ça. D'accord ? وقد تكون السنة مخصصة لعام القرآن. Parfois la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient, yani, par exemple le Coran, il est général dans un verset, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient dire que telle chose, elle est particulière. Si tu délaisses la sunna, tu ne peux pas comprendre ça. Et tu es loin du Coran, et tu es loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pour comprendre, Allah dans le Coran il dit حرمت عليكم الميتة والدم. Allah dit dans le Coran vous est interdit الميتة. الميتة c'est la bête trouvée morte ou la bête qui est sacrifiée qui n'est pas sacrifiée selon le rite musulman. On appelle ça الميتة. D'accord. Allah dit vous est interdit الميتة et الدم le sang. Donc à la lecture de ce verset là on pourrait penser que toute bête maïta, tout animal mort, ou retrouvé mort, ou bien tout sang, il est interdit aux musulmans. C'est vrai ou pas? Eh bien non, la sunna, elle vient donner un cas particulier au verset du Coran. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans la sunna, « Uhillat lana maïtatan wa daman » فأما الميتتان فالحوت والجراد أو الجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. D'accord. Le prophète sallam il dit dans le hadith vous ont été autorisés deux animaux morts et deux sangs. Tu vois, le Coran il vient spécifier, il y a quelque chose qui a été généralisé, quelque chose qui a été interdit de manière générale. La sunna vient en faire un cas particulier. Et c'est quoi ces deux choses? Le prophète dit Al-Hout ou Al-Jurad, parmi les deux animaux, êtres vivants, animaux qu'on peut manger et qui sont morts, c'est le poisson et la sauterelle. Et pour les deux sangs qu'on peut manger, c'est le foie et la rate. D'accord? Et dernière chose, un des derniers rôles de la sunna, je ne sais pas si le mot rôle il est juste, mais un des derniers points qui montre qu'on ne peut pas délaisser la sunna pour comprendre le Coran, c'est dans ce sens là que je dis rôle. يعني قد تجيء السنة بأحكام زائدة على أحكام القرآن. Parfois la sunna du prophète sallam elle ramène des règles, tu ne les trouves même pas dans le Coran al-Karim. Va lire dans le Coran al-Karim, tu ne vas pas le trouver. Mais tu vas la trouver dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu délaisses la sunna, tu passes à côté de ça. À côté de choses très importantes. Bien sûr, toujours à condition que ce hadith, il est authentique, que les savants l'ont authentifié. Par exemple, un exemple pour bien comprendre, c'est avec les exemples qu'on comprend. C'est avec les exemples. Bil amthal tatabayyanu al-ashya. Avec des exemples, comprend les choses. Allah dans le Coran il commence ce verset en disant hurrimat. Il cite plein de choses qui ont été interdites, il dit hurrimat et il dit wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. Allah dit il vous a été interdit de se réunir avec deux sœurs, de se marier avec deux sœurs. Exception faite pour le passé. Bon, c'est quelque chose qui est particulier. Nous, ce qui nous intéresse dans le verset, c'est Allah, il a interdit dans le verset à un homme de se marier avec deux sœurs au même moment. D'accord? Il est interdit en islam, quand tu te maries avec une femme, de te marier avec sa sœur. Si ce n'est que la femme avec qui tu te maries, elle meurt, ou bien il y a un divorce, à ce moment-là, tu peux se marier avec sa sœur. Là, oui, tu peux le faire. Mais sur le même moment, au même moment, tu es marié avec Aïcha et tu es marié avec Fatima, et Aïcha et Fatima sont des sœurs, là, c'est pas permis. Ça, c'est le verset du Coran.
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il a rajouté une règle en plus, qui n'est pas citée dans le Coran. Et que si toi, tu te dis, ah non, non, moi je délaisse la sunna, j'ai pas besoin de la sunna pour comprendre le Coran, tu vas faire quelque chose qui est haram et tu ne le sais même pas. Pourquoi? Parce que tu as délaissé ça, la sunna. C'est le fait, par exemple, de se marier avec, lorsqu'un homme est marié avec une femme, qu'il se marie avec sa tante maternelle ou la tante paternelle. Al-am ou al-khala. C'est interdit. Quand tu te maries avec une femme, quand tu es marié avec une femme, au même moment, tu n'as pas le droit de te marier avec sa tante maternelle ou avec sa tante maternelle, paternelle. Vous avez compris, hein? Sauf, comme dans le premier cas, sauf s'il y a eu divorce ou s'il y a eu mort et tu veux te marier avec sa tante. Là, tu peux. On est d'accord? Et ça a été rapporté dans le hadith de l'Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha » On ne peut pas se marier avec la femme et sa tante et avec sa tante. En arabe, en français, il n'y a pas ça. Avec sa tante paternelle, c'est ce qu'on appelle al-amma, ou bien avec la tante maternelle, ce qu'on appelle al-khala, la tante maternelle. On est d'accord? Et ça, c'est la sunna. Par exemple, un autre exemple, Allah dans le Coran, il nous permet de manger tout ce qu'on veut. D'accord? Sauf ce qu'il a spécifié. Eh bien, le prophète sallam, il est venu spécifier des choses en plus. Par exemple, le prophète sallam, il a dit Naha al-Nabi sallam an kulli dhi nabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية. Et ça, tu vas trouver dans la sunna, pas dans le Coran. Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit de manger yani, tout prédateur qui a des crocs et des canines. Tu ne peux pas manger. C'est interdit. Et de même, tu ne peux pas manger tout oiseau qui a des griffes. Tu ne peux pas le manger. De même que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit le humour الأهلية, les ânes. Ça, c'est les ânes, c'est comme ça qu'on dit. Les ânes. Et ça, c'est spécifié dans le Coran. Dans la sunna, afwan. C'est pas spécifié dans le Coran, Karim. فَالسُنَّةُ شَأْنُهَا عَظِيمٌ فَهِيَ الْمَصْدَرُ الثَّانِي مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ وَلَا غِنَى لِلْقُرْآنِ عَنِ السُنَّةِ أَبَدًا وَلَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنِ السُنَّةِ أَبَدًا وَلِلْسُنَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا وَهَذَا يَعْنِي مَحَلُّ حَدِيثِنَا. Donc la sunna, son importance est grande dans l'islam. C'est la deuxième source de révélation. C'est la deuxième source de législation pour les musulmans après le Coran. Et les musulmans ne peuvent pas se passer de la sunna. Et ne peuvent pas se contenter que du Coran. L'un va avec l'autre. Comme le prophète sallam, il dit dans le hadith. Il dit, Allah... On m'a donné le Coran et son équivalent, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi, quand tu entends ça, tu comprends la valeur de la sunna. Et tu te rends compte que la sunna, elle a des huquq, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a des droits que le musulman et la musulmane doit connaître et doit respecter. Awalan. أن يعظموها ويتمسكوا بها ويعضوا عليها بالنواجذ وينشروها بين الناس. Premier des droits de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna, c'est le fait de grandir, de donner l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son importance, ce qu'elle mérite. Et de s'attacher fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les molaires. Ce qui montre l'attachement à la sunna. Et de l'enseigner et de la répandre autour de nous. وَقَدْ جَاءَتِ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. Et lorsque tu vas lire le Coran, le Karim, lorsque tu vas lire la sunna, les hadiths du prophète sallam, et les paroles et les actes des sahaba, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes qui montrent et qui affirme et qui appuie ce droit, le droit de la sunna, dans le fait de la grandir, de donner son importance, de la mettre en pratique et de la transmettre. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ »
يقول الله عز وجل obéissez à Allah, obéissez au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au prophète, il aura certainement obéi à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien guidé. Allah dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et Allah Azza wa Jalla dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui divergent avec son ordre, que ne les atteigne une fitna ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Celui qui désobéit à Allah et à son prophète, il se sera égaré d'un égarement manifeste. D'accord. Donc, dans tous ces versets, on voit à chaque fois Allah, il met avec son obéissance l'obéissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il met en garde contre le fait de diverger avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, min adillati sunnah ala ta'zim sunnah wa tamassuki biha. Parmi les versets, les hadiths qui montrent l'importance de la sunna et le fait de s'attacher, de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Yaqul wa'adhana rasulullah maw'idhatan balighatan wajilat minha al-qulub ay khafat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun ay bakat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي بطريقتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Donc dans le hadith de l'Irbad ibn Sariyah, ce compagnon nous dit que le prophète a fait un serment d'une importance grave, une très grande importance, au point que les cœurs ont frémi et que les yeux se mirent à pleurer. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, tu parles comme quelqu'un qui va faire ses adieux, donne-nous des conseils. Et parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole suivante. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes compagnons, c'est-à-dire à ma voix. Et mordez dans ma voix avec vos molaires. Et faites attention à toute innovation, car toute innovation religieuse est un égarement. ويقول أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي بالليل أبدا وقال الثاني أنا أصوم الظهر ولا أفطر وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا وما أرادوا إلا الخير ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبرهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. يعني فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي فَعَمَلُهُ لَيْسَ عَلَى هَدِّي وَطَرِيقَتِي. Aussi, parmi les hadiths qui montrent l'importance de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'histoire des trois hommes qui sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration. Et le prophète était absent, donc les gens les ont informés. Et
ça leur a semblé yani, paraître peu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, où sommes-nous par rapport au prophète? Alors qu'Allah, il lui a pardonné ses péchés. Le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, dorénavant, je jeûne tous les jours. Le deuxième, il a dit, dorénavant, je prie toute la nuit. Et le dernier, il a dit, dorénavant, je ne me marie pas avec les femmes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, qu'on lui a informé de ce qu'ont dit ces trois hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis celui qui craint le plus Allah et qui le connaît plus. Et il a dit, je jeûne et je mange. Je prie la nuit et je dors. Et je me marie avec les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna, eh ben, son adoration ne sera pas faite selon mes enseignements. Ça, le sens du hadith. Aussi, dans d'autres hadiths, le prophète dit, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَا عَلَيِّ الْحَوْضِ. Ça m'a dit, je vous ai laissé deux choses. Jamais vous ne vous égarerez tant que vous vous y cramponnerez. La première chose, c'est le livre d'Allah. La deuxième chose, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la parole des sahaba, radiyallahu anhum, kana Abu Bakr, radiyallahu anhu, yaqul, lestu tarikan shay'an kana Rasulullah ya'malu bihi illa amiltu bihi وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وعلق ابن بطة على هذا بقوله هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. أبو بكر رضي الله عنه. On va citer maintenant quelques paroles des Sahaba رضي الله عنهم et des Tabi'in sur le fait d'être s'attacher à la Sunna et de que la Sunna est importante à leurs yeux. Abu Bakr, Siddiq, disait, je ne vais jamais délaisser une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, je le fais. Et j'ai peur, si je la délaisse, un azir, de tomber dans l'égarement et dans la perte. Et Ibn Battah disait à propos de la parole, de cette parole, il disait, chers frères, regardez le Siddiq al-Akbar, le grand véridique, le plus grand véridique. Il redoute et il a peur de l'égarement si il diverge avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il aujourd'hui de celui qui fait apparaître, yani, qui commence à mettre, à faire, il dit qu'en est-il yani, فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم. Qu'en est-il d'une époque où les gens commencent à se moquer de leur prophète et les gens commencent à se moquer des ordres de leur prophète et ils sont fiers et ils se vantent de diverger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se moquer de sa sunna. Il dit, nous demandons à Allah la protection contre l'erreur et le salut contre la mauvaise pratique. Regardez l'importance de la sunna qu'avaient ces hommes. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب حين أراد أن يقبل الحجر الأسود قال له والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. توحيد Regardez Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a voulu embrasser la pierre noire, il l'a dit en jurant, il a dit, Wallah, si tu es une pierre, ni tu fais du mal, ni tu fais du bien. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, jamais je ne t'aurais embrassé. Regardez leur suivi
exemplaire dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا عثمان بن عفان قعد يوما على المقاعد يعني مقاعد الوضوء فتوضأ ثم دعا بطعام مما مسته النار فأكل منه ثم قام إلى الصلاة فصلى ثم قال رضي الله عنه قعدت مقعد رسول الله وأكلت طعام رسول الله وصليت صلاة رسول الله. من فوا عثمان بن عفان رضي الله عنه il s'est assis à l'endroit où on s'assoit pour faire l'eau. Et ensuite, il a demandé qu'on lui ramène de la nourriture cuite avec du feu. Et ensuite, il s'est levé pour faire la prière et il s'est dirigé vers les gens en leur disant « Je me suis assis là où le prophète s'est assis lorsqu'il a fait l'eau. J'ai mangé là ma nourriture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangée et je fais devant vous la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. » Regardez le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه يقول كنت أرى أباطين القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح على ظاهرهما. علي رضي الله عنه il disait, c'est l'اتباع, le suivi du prophète. Il disait, et dans une autre riwaya il dit, لو كان الدين بالعقل. Il dit, si la religion c'est avec l'aql, avec la raison. Regarde ce juif qui suit sa raison, sans être derrière les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'égarer. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, dans leur compréhension de l'islam, ils reviennent à leur aql. Alors qu'à cette époque, les aql, elles uqullay cette salima. Les aql ne sont pas saines, elles sont troublées, elles sont affectées. Regarde ce qu'il disait. Il disait, si la religion était avec l'aql, et dans une autre riwaya, il dit, je considérais que le mas' ala al-khuffayn, c'était en bas. Puisque c'est vrai, c'est en bas qu'il y a les saletés. Il dit, jusqu'à ce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus. Et j'ai essuyé au-dessus. Même dans son aql, il est soumis à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens, quand on parle de mécanique, quand on parle de mathématiques, quand on parle de médecine, il faut aller voir un spécialiste. Et il te dit, non, arrête, mon frère, c'est pas ta spécialité, ne parle pas. Mais quand c'est l'islam, tout le monde parle. Tout le monde dit n'importe quoi. Et tout le monde utilise son aql. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. وَهَذَا بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَهِيَ أُمُّ يَعْقُوبٍ قالت له بلغني أنك تنهى عن الواصلة قال نعم قالت أشيء وجدته في كتاب الله أم سمعته من رسول الله قال وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين دفة المصحف وكانت تلكم المرأة قارئة فقالت فما وجدت الذي تقول فقال لو قرأته لوجدته أو لوجدته أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ألا وإني سمعت رسول الله ينهى عن الواصلة والواشمة والمتنمصة والحديث صحيح يعني رواه البخاري في صحيحه. Certaines parties du hadith en réalité sont dans le Bukhari et d'autres sont dans Abu Daoud. المهم, Abdullah ibn Mas'ud, une femme est venue voir Abdullah ibn Mas'ud. Cette femme s'appelle Umm Ya'qub. Elle lui a dit, il n'est parvenu que tu interdis à la femme de faire al-wasila. Al-wasila, c'est quoi? C'est la femme qui met des fausses tresses. Et des fausses tresses. Il lui a dit, bien sûr. Elle lui a dit, est-ce que c'est une chose que tu as trouvée dans le livre d'Allah ou que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que cette femme, c'était une qaria, c'était une femme qui connaissait le Coran. Il lui a dit, je l'ai lu dans le Coran et je l'ai entendu du prophète.
Alors elle lui a dit, Wallah, j'ai lu le Coran du début à la fin, de Surat al-Fatiha, en passant par le Baqara jusqu'à Surat al-Nas. Et j'ai jamais entendu parler de loi, c'est là. Et il lui a dit, n'as-tu pas, il a dit, si tu avais vraiment bien lu attentivement, tu l'aurais trouvé. Il lui a dit, n'as-tu pas lu la parole d'Allah qui dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Elle lui a dit, bien sûr, je l'ai entendu cette parole. Elle lui a dit, eh bien moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire al-wasila, celle qui met des fausses tresses, al-washimah, celle qui fait des tatouages, et al-mutanammisah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tout ça c'est des paroles des salaf salih sur le fait, des sahaba radiallahu anhu, salaf salih, sur le fait de grandir la sunna et de s'y attacher. وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَجْهَرُونَ بِعَدَاوَةِ مَنْ يَرُدُّ السُّنَّةَ وَيُنْكِرُهَا وَكَانُوا يَجْهَرُونَهُمْ أَوْ يَهْجُرُونَهُمْ وَكَانُوا يَهْجُرُونَهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَمْتَنِعُونَ عَنْ كَلَامِهِمْ. Les sahaba radhiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis parmi les imams de la sunna, des gens de l'ahle sunna wal jama'a, manifestaient de l'animosité envers les gens qui rejetaient la sunna ou bien qui reniaient la sunna, c'est encore pire. Et les sahaba radhiyallahu anhum, même parfois ils pratiquaient ce qu'on appelle le hajar. Ils pratiquaient le hajar. Comment traduire le hajar? Le fait de ne plus parler avec cette personne. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'interdisait de parler avec cette personne à cause du fait qu'elle rejetait la sunna ou qu'elle reniait la sunna. Bien sûr, le hajar, c'est pas une règle comme ça. Le hajar, c'est une ibada. D'abord, le hajar, c'est une ibada dans l'islam. Et donc, comme toute ibada, on ne la fait pas comme nous on veut. On la fait comme on nous l'a enseigné. Deuxièmement, al-hajar, c'est un dawa. Al-hajar, comme dit Cheikh Ubaid, il dit al-hajar ou dawa, wa laysa asa. Al-hajar, c'est pas seulement un coup de bâton sur les gens. C'est un dawa, c'est un médicament. Le but du hajar, c'est quoi? Quand tu hajar une personne, tu l'ignores ou bien tu l'évites, c'est le fait que cette personne revienne. C'est pour ça que dans toutes les situations, c'est pas forcément on pratique le hajar. C'est pour ça qu'il faut revenir chez les savants, expliquer la situation, et les savants vont nous dire ce qu'il faut faire. Et toute personne qui commet une bid'a, ou toute personne qui délaisse la sunna du prophète sallam, ne nécessite pas tout de suite le hajar. Il nécessite d'abord iqamatul hujja al-nasiha, faire le conseil, iqamatul hujja, et après là, tu demandes aux gens de science et tu vois ce qu'on va faire. Ça, c'est des règles que les gens prennent avec négligence alors que, et ça a fait des catastrophes, alors qu'il faut revenir aux savants sur ça. Par exemple, An Salim ibn Abdullah ibn Umar قال أن عبد الله قال إن عبد الله ibn Umar قال سمعت رسول الله يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر والله لنمنعهن. فقال سالم ابن عبد الله فسبه أي أبي عبد الله سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. عفوا. وقال أخبرت عن رسول الله أو أخبرك عن رسول الله أنه قال لا تمنعوهن وتقول والله لم نمنعوهن. Il a été rapporté que Abdullah, le fils de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, disait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'empêchez pas vos femmes, lorsqu'elles vous demandent l'autorisation d'aller à la mosquée, ne les empêchez pas d'aller à la mosquée. Et un homme qui s'appelait Bilal ibn Abdullah ibn Umar disait, en jurant par Allah, il dit, Wallah, je les empêcherai d'aller à la mosquée. Alors Omar l'a insulté
ou a eu des propos très durs envers lui, Abdullah ibn Umar a eu des propos très durs envers lui, et lui a dit, je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée lorsqu'elles vous demandent l'autorisation, et toi tu me dis, je vais leur interdire le fait d'aller à la mosquée. Donc on voit l'attitude qu'avaient les sahaba à l'égard de ceux qui allaient transgresser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Abdillah ibn Mughaffal رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف والخذف يعني رمي الإنسان بحصى أو نواء ونحوها فقال له نهى رسول الله عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكئ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين ثم لقيه بعد ذلك فرآه يخذف فاشتد غضبه عليه وقال أقول لك نهى رسول الله عن الخذف ثم عدت تخذف والله لا أكلمك أبدا وفي رواية أخرى للإمام البخاري لا أكلمك كذا وكذا من الوقت لا سي عبد الله بن مغفل nous dit que il a vu un de ses proches, sa famille. Il fait le khadf. Al khadf, c'est ramyul insan bihasatin ou nawatin ou nahwiha. C'est un jet de pierre. D'accord. Il a vu un homme jeter des pierres. Alors il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeter des pierres. Et il a dit, le jet de pierre ne peut pas aider à chasser du gibier ou à tuer un ennemi. C'est pas avec un jet de pierre que tu vas chasser une bête ou tuer un ennemi. Mais il lui a dit, il peut casser les dents et il peut crever un œil. C'est pour ça que le prophète l'a interdit. Et une autre fois, Abdullah ibn Rafal, il a retrouvé ce même homme de sa famille. Il continue à faire al-khadf. Le jeu de pierre, le jet de pierre, hein. Moi je dis le jeu, c'est le jet de pierre. Vous m'avez compris. Alors là, il s'est mis en colère. Il lui a dit, comment le prophète nous a interdit de faire ça et tu continues à le faire? Il a dit, Wallah, dorénavant, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Et dans d'autres riwayas, je ne t'adresserai plus la parole pendant un certain moment. D'accord? Donc regardez l'attitude qu'ils avaient envers ceux qui délaissaient la sunna du prophète sallam. Wa'an'ab. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة والحج فقال له أو فقيل له لكن أبا بكر وعمر يقولان لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك فاشتد غضبه وقال يوشكوا أن ترجموا بحجارة من السماء أقول قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Donc ça c'est le récit de Abdullah ibn Abbas. Lui faisait la fatwa concernant le hajj du tamattu', le fait de faire la umra, de se désacraliser et de faire ensuite le hajj, le huitième jour du hajj. Et les gens venaient le voir et lui disaient, Abu Bakr et Omar, ils disent le contraire de ce que tu dis. Alors il s'est mis en colère, il a dit, je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit et Omar a dit, j'ai peur que bientôt des pierres vous tombent du ciel sur vos têtes. Donc tout ça c'est des hadiths qui montrent l'attitude qu'avaient nos pieux prédécesseurs et les sahaba envers ceux qui délaissaient la sunna du prophète sallam ou qui la dénigraient. D'accord? Et comme j'ai dit, c'est pas une règle qu'on applique à tout bout de champ comme ça. Yani, il faut revenir à certaines règles. Ce genre d'attitude, on revient, c'est pas une règle qu'on applique comme ça à tout bout de champ et on fait des catastrophes. C'est une règle, on revient vers la parole des savants. Parfois,
c'est mieux de se taire. Parfois il faut parler, parfois il faut donner la siha, parfois il faut attendre un autre moment. Il faut revenir faire la parole des savants, et les savants nous conseillent beaucoup sur ça. وقد عجل الله العقوبة لمن رد السنة أو استهزأ بها من الأمثلة بذلك. Et on trouvera dans la sunna du prophète, on trouvera beaucoup d'exemples qui montrent يعني, comment la punition est venue rapidement sur ceux qui ont délaissé la sunna ou qui se sont moqués de la sunna. أولا عن سلمة أو عن سلمة ابن الأوكع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي كل بيمينك فقال الرجل لا أستطيع فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلا فيه. Donc premier hadith qui nous montre يعني la punition touche ceux qui délaissent la sunna du prophète, comme dans le verset où Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, que prennent garde ceux qui divergent avec la sunna du prophète, avec son ordre, qu'un châtiment ne les touche ou bien une épreuve ne les touche. Et bien le hadith Salama ibn al-Awka nous dit, une fois un homme a mangé avec le prophète avec sa main gauche. En arabe on dit Shimal, c'est la gauche, et Ashamal, c'est le nord. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kul biyaminik, mange de la main droite. C'était ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme il lui a dit je peux pas. Et en réalité, c'était par orgueil. Il pouvait, mais il ne voulait pas par orgueil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dorénavant tu ne pourras plus. Et depuis ce jour-là, l'homme n'a jamais pu manger avec, yani, lever sa main gauche vers la bouche, hein? Sa main droite, Allahu a'lam. Allahu a'lam, je sais pas. Ala kulli hal, depuis ce moment-là, je referai la recherche, inshallah. Depuis ce moment-là, cet homme n'a jamais pu relever sa main. D'accord? Donc la punition de celui qui délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a des afar, des sahaba, des tabi'in, qui nous montrent ceci. Il dit, Yahya al-Saji, kunna namshi fi azirqatil basra ila babi ba'din muhadithin, ayy fi tariqim li talab al-ilm. Fasra'tu al-mashi, wa kana minhum rajulun majijun fi dinihi. Yani, yastahzi. Faqal, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika, لا تكسروها وكان يستهزئ فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. سبحان الله. Il dit Yahya al-Saji, il dit nous étions partis dans les ruelles, dans les impasses de Basra en Irak, et nous nous sommes arrêtés près d'un homme du hadith. On était parti pour rechercher la science auprès de lui et on s'est empressé, parce que dans le talab al-ilm. Et un homme, tu sais, il a voulu se moquer. D'accord? Et il a dit, parce que celui, comme le prophète s'est dit dans le hadith, Innal mala'ikata la tada'u ajnihata'a li talib al-ilm ridan bima yasna'. Ça me dit, les anges déploient leurs ailes pour celui qui recherche la science en satisfaction de ce qu'il fait, du fait qu'il recherche la science. Alors cet homme, quand il les a vus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit levez vos pieds parce que vous êtes en train de marcher sur les anges, sur les ailes des anges, et vous allez casser leurs ailes. Et il a dit ça en se moquant. Et alors Yahya Saji dit depuis ce moment-là, yani, il est resté immobile et il est tombé. D'accord? ويقول يذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه قط فلما طالت ملازمته
له وراء حرصه على الحديث كشف له الستر فرآه يعني فرأى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي في الحديث أو لما مر بي في الحديث استعبدت أو استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. D'accord, c'est des histoires qu'Ibn Hajar al-Asqalani, c'est celui qui a fait l'explication, entre autres, c'est un grand muhaddith qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Al-Fath al-Bari. Il dit, rapport de certains gens de science, qu'un homme est parti à Dimashq, à Damas, pour apprendre le hadith auprès d'un shir très connu. Et il a commencé à apprendre la science avec lui. Et il mettait le shir entre lui et lui un rideau. Et il a dit, j'ai jamais vu son visage. Après un certain moment d'apprentissage avec lui, et le shir, il a vu cette personne, elle était soucieuse et motivée par la science, il a retiré le voile. Et l'homme, il a vu le visage de cet homme, le visage d'un âne. Wajuhimar. Alors, l'homme, il lui a donné le conseil. Il lui a dit, fais attention, mon fils. Ne devant jamais l'imam dans la prière. Comme le prophète a dit, la tasbiqu l'imam bit-takbiri, wala bil-ruku', wala bil-sujud, wala bil-insiraf. Ne dévancez pas l'imam dans le sujoud, dans le ruku' et dans l'insiraf. Quand l'imam, il est encore dirigé vers la qibla et qu'il s'est pas retourné vers les gens, ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'il se retourne vers les gens. C'est une des explications qui est rapportée par les ulama. Il a dit, ne devance pas l'imam dans la prière. C'est-à-dire, quand l'imam fait ruku', ne fait pas ruku' avant lui. Quand l'imam dit Amin, ne dit pas Amin avant lui. Ne le devance pas dans la prière. Parce que quand je suis passé dans le hadith, ce fameux hadith qu'on vient de citer, il a dit, j'ai pas réfléchi à la conséquence de celui qui ne le met pas en application. Et il dit, une fois j'ai devancé l'imam, et voilà mon visage comment il est devenu. C'est des histoires qui montrent la gravité de celui qui se moque de la sunna ou bien qui délaisse la sunna. Hein? Mais nous, ce qu'on va mieux retenir, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'homme qui mangeait avec sa main gauche. Donc ça, c'était le premier haq de la sunna, qui est an nu'azzimaha, le fait de grandir la sunna, wa an natamassaka biha, et le fait de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa an nashuraha bayna an-nas, et de le fait de la prêcher, de la diffuser autour de nous et de l'apprendre aux gens. Ça, c'est le premier haq de la sunna. Le deuxième haq de la sunna, et on a bientôt terminé, inshallah, من حق السنة على أهل السنة أن يحموها أو أن يحموها من البدع والمبتدع. Un des droits de la sunna, c'est de, pour les gens de la sunna, pour ceux qui se prétendent s'attacher à la sunna, c'est de préserver la sunna de la bid'a, de l'innovation et des innovateurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ceux qui vont vivre parmi vous verront des divergences. Et là, le prophète s'adresse aux compagnons. Et c'est vrai qu'à la fin de la vie des compagnons, il y a des divergences qui sont apparues. Surtout après la mort de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et le prophète dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Attachez-vous à ma sunna et à celle de mes compagnons. Mordez-y avec vos molaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il nous ordonne de s'attacher à sa sunna, de la même manière, il nous met en garde contre la bid'a et l'ibtida' fid-din. La bid'a est d'innover dans la religion. Il dit, wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Faites attention aux innovations,
en nouveauté religieuse, car toute nouveauté religieuse est une innovation, et toute innovation est un égarement, et dans un autre hadith, tout égarement conduit en enfer. وَمَا ابْتُدِعَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَتْ سُنَّةٌ. Il n'y a pas une bid'a, comme Cheikh Islam Taimi a dit, il n'y a pas une bid'a qui est délaissée, qui est yani, faite, sans qu'à la place c'est une sunna qui disparaît. Par exemple, lorsque les gens ont fait la bid'a de lever les mains en jama'a, d'accord, après la salat farida, eh bien, ils ont délaissé une sunna qui est la sunna des afkar qu'on fait après la salat. Attention, on ne dit pas que lever les mains dans la dua, c'est bid'a. Ça, c'est sunna. Wa min asbab al-ijab. Lever les mains dans la dua, c'est sunna. Et c'est un plus pour que ta dua soit exaucée. Et il y a beaucoup de hadiths, plus de 70 hadiths, qui prouvent que lever les mains, c'est sunna. Mais, encore une fois, il faut comprendre des hadiths comme l'ont compris les savants. Il ne faut pas, à tout bout de champ, lever les mains comme ça. Par exemple, après la salat jama'a, tu lèves tes mains et l'imam fait dua et tout le monde fait dua avec lui en groupe. Dua jama'i. Ça, c'était pas connu ni de Rasulullah, ni des sahaba radiallahu anhum, ni des grands imams de l'islam. Et il nous est rapporté de eux, des imams de l'islam, qui yunkiruna hada, yani qui dénigraient, qui condamnaient cet acte. D'accord ? Et en fait, quand les gens ils ont fait ça, ils ont délaissé quoi ? Ils ont délaissé le fait de faire l'afkar après les salawat. Aussi, par exemple, parmi les bid'a à notre époque, c'est par exemple al-julousu fi bayt al-aza. C'est le fait de s'asseoir dans la maison où il y a un mort pour les condoléances. Bon, aujourd'hui, ce que font les gens lorsqu'il y a une personne qui meurt, les gens par leur ignorance. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens. Il ne faut pas dire que c'est des mubtadi' et on applique sur eux des règles qu'on appliquera à des mubtadi'in. C'est des gens, ils ne savent pas. Explique-leur c'est quoi la sunna. Explique-leur que ce qu'ils sont en train de faire, sans divergence avec la sunna du prophète, mais ça n'existait pas. Les gens qui connaissaient mieux le prophète, qui aimaient mieux le prophète que nous, quand le prophète il est mort, quand eux-mêmes sont morts, quand les sahaba sont morts, ils ne pratiquaient pas ça. Nos imams, les quatre imams et d'autres imams de Ahl Sunnah wa Jama'a ne faisaient pas cette pratique. Donc, ne la délaissez pas. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها بها فلا تتعبدوا بها. Comme disait le sahabi, il dit toute ibada que les sahaba ne faisaient pas, n'adorez pas Allah avec une action comme ça en pensant que c'est une ibada. Donc tu dis à ces gens, ne le faites pas. Par exemple, c'est le fait que lorsqu'il y a un mort, les gens ils vont dans la maison et au lieu, c'est nous les voisins qui donnent de la nourriture à la famille du mort, c'est la famille du mort, c'est la maison devient un restaurant. Et on commence à faire le repas, et les gens ils viennent, ils s'assoient, ils discutent, ils boivent le café, le thé, les gâteaux. Et c'est plus c'est comme si c'était devenu une farha. Et ça, c'est pas permis dans l'islam. Et les gens, ils ont fait cette bid'a, et qu'est-ce qu'ils ont laissé à la place? Ils ont laissé des actes qui peuvent être bénéfique pour le mort. Comme par exemple, tasdid ou deyn. Lorsqu'il meurt, tu dois, les gens de la famille ou les proches, ils doivent dire est-ce que notre mort, il a des dettes et il faut qu'on rembourse ses dettes. Tu vois, les gens, ils s'occupent de choses qui ne sont pas sunna et ils délaissent des choses qui sont sunna. Et bien d'autres choses. لذلك جاءت الأدلة من القرآن والسنة تحذر من البدع ومن المبتدع. C'est pour ça que tu as trouvé dans le Coran et dans la Sunna beaucoup de versets, beaucoup de hadiths qui mettent en garde contre le fait d'innover et contre les innovateurs. Allah dans le Coran dit: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah dit: voici mon chemin droit, suivez-le. Et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer de mon chemin. Voici le conseil d'Allah, ainsi atteindrez-vous la taqwa. Donc la voie droite c'est quoi? C'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et les autres voies, c'est les voies qu'ont emprunté les gens de la bid'a, qu'ils ont innové
dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna du Allah azza wa jalla dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول فأما الذين بيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأما الذين سودت وجوههم فهم أهل البدع والضلالة. Alors dans le Coran, dans surat Ali Imran dit, le jour, ce jour-là, dans l'Akhira, dans le Qiyama, des visages seront illuminés et d'autres seront blancs et d'autres seront noirs et assombris. Ibn Abbas dit à propos de ce verset, les visages qui seront illuminés, qui seront blancs, ce sont les visages des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunnah et de la Jama'a, qui forment une Jama'a autour de la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le visage de ceux qui vont s'assombrir et qui seront noirs, ce seront le visage des gens de la Bid'a, de l'innovation et de l'égarement. C'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd » Celui qui fait un acte qui n'est pas selon nos enseignements, l'acte, il est à rejeter. Et le prophète sallam, dans beaucoup de ses khutbas, il criait, il levait la voix, son visage devenait rouge, et il disait « Amma ba'at, fa inna khayr al-kalam, ou khayr al-hadithi kalamullah, kitabullah, wa khayr al-huda, huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a. » Il disait, ceci dit, la meilleure des paroles est la parole, le livre d'Allah. Et la meilleure des voix est la voix du prophète. Et toute innovation et la pire des choses, ce sont les innovations. Et toute innovation est un égarement. Et de la même chose, il nous est venu de nos pieux prédécesseurs, à la tête les sahaba, des paroles qui condamnent la bid'a et qui condamnent les gens de l'égarement. Abu Bakr, il disait « Innama ana muttabi'un walastu bi mubtadi'. » Je suis quelqu'un qui suit, mais je ne suis pas quelqu'un qui innove et qui ramène des choses nouvelles dans la religion d'Allah. Ça, c'est Abu Bakr Siddiq qui dit ça. Et Ibn Abbas disait Alaykum bil istiqamati wal athar wa iyyakum wat tabaddu'. Il disait attachez-vous à la rectitude et au athar, au patrimoine. C'est ce qui nous est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faites attention à l'innovation dans la religion. Et Omar, Ibn Omar disait Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Toute bid'a, c'est un égarement, même si les gens, à cause de leur ignorance, c'est pas Ibn Omar qui le dit, même si les gens la considèrent comme bonne. Une bid'a, elle est mauvaise, même si les gens considèrent qu'elle est bien. Et Omar, Ibn Omar, radiallahu anhu, un homme est venu auprès de lui et il a éternué. Et il a dit Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah. Il a dit Alhamdulillah, ça c'est sunnah. Mais il a rajouté wa salatu ala rasulillah. Qu'est-ce qu'il vient faire salat ala rasulillah ici? Alors, Ibn Omar a dit Ala aqul alhamdulillah wa salatu ala rasulillah. Ana aqulu alhamdulillah. Il dit, je dis Alhamdulillah, et bien sûr, je fais la prière sur le prophète. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est éternu, qu'il dise Alhamdulillah. Et il nous dit, il ne nous a pas dit de dire Wassalatu ala Rasulillah. Et il nous est rapporté de l'imam Malik qu'un homme est venu le voir la parole suivante. Il disait Man ibtada'a bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu ba'dahu dina. L'imam Malik disait celui qui innove dans l'islam et il dit que cette innovation elle est bien, c'est une bonne innovation, il aura prétendu que le prophète a trahi le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dans le Coran nous dit aujourd'hui j'ai complété la religion. La religion elle est complète. Et l'imam Malik continue en disant
ce qui n'était pas considéré comme religion à l'époque ne sera jamais considéré comme religion après. C'est pourquoi une fois un homme est venu voir l'imam Malik et lui a dit « Min aina uhrim ?» À partir de où je fais l'ihram quand je vais faire la umrah. Il lui a dit « Min haythu ahrama Rasulullah ?» Il a dit là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la niya de l'ihram. Et l'homme il lui a dit « Ahrimu ou ahramu, ahrimu ou uhrimu min al masjid min ind al qabr. » Il lui a dit « Moi je vais faire l'ihram, la niya de l'ihram, de la umrah ou du hajj, là c'est la umrah forcément, de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et l'imam Malik lui a dit « La taf'al inni akhsha alayka al fitna. » Ne fais pas ça, j'ai peur pour toi que des épreuves te touchent. Et l'homme lui a dit « Wa ayu fitnatin fi hada innama hiya amyalun aziduha. » Il a dit « Où va être l'épreuve dans tout ça ? Ce n'est que quelques kilomètres que j'ai rajoutés. » Et alors l'imam Malik lui a dit « Wa ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah. » إني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Il dit, il n'y a pas, il a dit, c'est une fitna de faire une chose, de devancer le prophète dans une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et il lui a dit, et j'ai entendu Allah dans le Coran dire que prennent garde ceux qui divergent avec le prophète que la fitna ne les touche. Ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Donc le dars d'aujourd'hui, c'était sur حق السنة سأل الله عز وجل أن يحقق فينا وفي أهلنا وفي أولادنا السنة. Qu'Allah عز وجل fasse que on vive pour la sunna et qu'on meure pour la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك